états généraux, mais c'est une question principale aussi. Parce qu'en tant que personnalisé, nous nous appelons gardiens ou dépositaires de notre identité. Madame, je voudrais parler de l'identité nationale face à l'acculturation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu même dans les réseaux sociaux que certains pays africains donnent le cours de Lingala à leurs enfants. Nous, Congolais, nous n'avons que le français que nous donnons à nos enfants. Madame, nous profitons de vous, pas vous seulement, à tous ces professeurs, professionnels des musées. Nous voulons savoir un peu où allons-nous. Les pays asiatiques qui se développent aujourd'hui reviennent à leur identité. Je voudrais un petit mot de votre part dans ce sens, madame. Je vous remercie. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais ne parvient plus à financer, à mettre les moyens à l'Institut des musées nationaux du Congo pour continuer cette collecte. Jusqu'à présent, nous n'avons que 66 ethnies qui avaient été couvertes sur toute l'étendue de la RDC par rapport aux objets que nous avons à l'IMNC. Merci beaucoup. En fait, ce calendrier est un calendrier de 2003. Je l'ai apporté expressément pour vous montrer que c'est ça le travail d'un professionnel de musée. Vous allez récolter les objets, vous les identifiez, vous faites des fiches que vous remplissez, et avec les informations et avec les photos, absolument, et avec les photos. Et ces fiches, c'est des fiches qui sont classées au fichier numérique et au fichier analytique. C'est la façon de protéger les objets dans un musée. Si vous achetez, parce que vous avez des malles d'argent, vous achetez aujourd'hui et que demain, il n'y en a plus, fermez votre musée. Vous faites quoi? Ce n'est plus un musée. Fermez le musée. Nous sommes une institution culturelle et que nous pouvons chaque fois nous informer sur ce qui peut être fait ou ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas l'être. Au niveau de l'archive des bibliothèques, il y a plusieurs recommandations, mais je vais en lire au moins la première en ce qui concerne la division du travail. Engagement des activités, engagement des archivistes formés dans le domaine archivistique, mettre les espaces qu'il faut à la disposition de la direction, c'est-à-dire mettre les locaux qui existent dans les bâtiments ou faire construire un bâtiment, renforcer les capacités des archivistes, mettre des ressources financières nécessaires pour le bon conditionnement des documents d'archives et les livres, les revues, les périodiques, etc. Ici, il s'agit bien sûr de renforcer la gestion du patrimoine documentaire qui se trouve au sein de cette direction. Et je vous épargne des autres recommandations qu'on nous a votées, que nous allons lire une recommandation par papier. Il y a 4 jours, donc, dans cette même salle, nous avons eu l'honneur de lancer l'atelier de réflexion sur la politique nationale des musées en RDC.
Nous remercions vivement les cadres de l'IMNC, ainsi que les partenaires techniques ici représentés, qui apportent un apport considérable à l'effort commun. Quel musée pour l'Afrique patrimoine en devenir. Ces états généraux nous ont accordé une plateforme unique pour discuter de vos défis que nous devons relever ensemble avec toutes les parties prenantes. Je les répète, comment collecter, comment conserver en vue de l'éducation et comment transmettre la culture et la connaissance à notre prochain. Au nom de l'IMNC, nous pouvons vous remercier d'avoir participé à ces assises qui ont été pour nous un moment extraordinaire. 4 jours formidables d'information, 4 jours de discussion, 4 jours d'apprentissage, 4 jours de recommandations pour pouvoir faire face aux réels problèmes que traversent les musées nationaux et aussi l'Institut des musées nationaux du Congo. Au nom de tous les collaborateurs de l'IMNC, nous remercions énormément l'UNESCO de nous avoir assistés dans cet exercice. Il semble que aujourd'hui c'est la fin de ces assises, mais ce n'est pas la fin de notre collaboration avec l'UNESCO. Très prochainement, nous viendrons encore toquer à votre porte pour que nous puissions commencer les différentes séances de renforcement de capacités, élaboration de projets, et j'en passe. À vous, très chers collègues, je suis dans la joie d'avoir été capable de vous offrir ces instants merveilleux d'échange. Vous ne pouvez pas estimer combien est ma joie de vous voir assis tous autour de ce cadre. Et laissez-moi vous dire, j'ai pu vous analyser chacun et chacune, et j'ai vu combien vous êtes si intelligent, si expérimenté, et cela me fait une grande fierté d'avoir des collaborateurs de cette grande intelligence. Je vous prierai d'applaudir pour vous-même. Je suis arrivé ici à l'IMNC en 2022. Et j'ai entendu parler des personnes de qualité, à l'instar du professeur Chagé qui est là. Et je me posais la question si parmi les collaborateurs que j'ai trouvés, si nous pourrons aussi avoir des gens de qualité, à l'instar de ces doyens. Mais là, j'ai le cœur tranquille, parce que je sais que nous sommes à la hauteur. Permettez, chers doyens, je pense qu'on vous dépasse ça aussi quand même. Je vais encore répéter, vous le savez, j'aime exhorter dans ce sens. Si nous ne donnons pas de l'importance à l'IMNC, chers collègues, personne ne viendrait. Personne ne viendra donner de l'importance à cette structure. C'est très important ce que je dis. Et à n'importe quelle échelle, qu'on se retrouve directeur, chef de département, directeur de musée, conseiller à la direction générale, chef de section, et j'en passe. Vous êtes tous
important pour l'IMNC. De là où la faiblesse du DG commence, c'est la force de l'un des directeurs qui s'ensuit, et ainsi de suite. Ceci dit, les moments étaient très agréables. Permettez-moi de dire, aimons-nous les uns les autres, supportons-nous, tolérons-nous, et ensemble nous ferons une grande force pour l'IMNC. Par ces mots, quoique je donnerai la parole à la représentante d'Excellence Madame la Ministre de la Culture, mais je déclare les états généraux terminés. Je suis Madame Françoise Toyeye, directrice de Cité Monument Historique. Je suis très contente. Je jette les fleurs au DG pour l'organisation de ces assises, parce que ces organisations, c'était un état des lieux qui va nous permettre et à changer les donnes. Nous allons mettre les batteries en marche pour chercher à mettre les stratégies que nous avons appréciées par l'UNESCO. Pour participer à l'assise de Kamanaï, notre patricia expérience par rapport à la politique et à la gestion et à la misée. Et notre patricia qui m'a fondé sur une écoute aussi, et ça, avec les gestionnaires, pour voir il est ma chumba ya mamize ko province ya Kindu par exemple tu as kwetu sisi ni kitu ya lazima sana sababu inatupatia mawazo mafikara na mambo mengine mengine yenye itatusaidia kwa ushio kuendelesha kazi mbele. Je dirais après ce que j'ai pu échanger avec les uns et les autres, je pense que pour voir l'avenir différemment, il faut s'ouvrir. Un musée, c'est pour un public, c'est-à-dire vous récoltez, vous conservez selon les règles préventives et les règles de protection, en fait pour amener le public à s'y intéresser et éduquer le public. Mon nom c'est Amédée Manzabé, je suis chef de service des collections au niveau des musées nationaux de la République démocratique du Congo, ici où nous nous trouvons. Mes impressions, je dirais que je suis vraiment en joie. C'est un grand jour aujourd'hui parce que depuis que l'IMNC existe, depuis sa création par l'ordonnance numéro 70/079, du 11 mars 1970, il n'y a jamais eu des assises pareilles. C'est comme ça que le DG, quand il a pris le bâton, il a pensé à faire un état de lieu général sur l'institution. C'est comme ça qu'il fallait organiser ces assises pour que nous puissions faire un aperçu général sur la situation de l'IMNC. Moi, c'est Madame Pézomouka Lagrasse, du service de l'éducation. Je suis chef de service de l'éducation du Musée national de la République démocratique du Congo. Moi, je pense que le moment a été bien choisi et parce qu'on a prôné ici le renforcement de capacités, nous allons profiter de ces instants, de ce moment, pour que nous soyons nourris par différentes interventions, entre autres de chevronnés de l'institution qui ont défilé pendant ces états généraux, l'UNESCO qui a promis de revenir en fait pour renforcer les capacités des agents, et ça va en fait, ça fera en sorte que nous ayons une nouvelle équipe en fait avec un savoir et des connaissances vraiment assez large sur les collections que nous sommes censés présenter au public avec un nouveau, enfin j'ai dit un nouvel élan, et donc ça sera un professionnalisme qui sera coulé dans la manière de recevoir le visiteur ici. Donc à très bientôt, enfin, dès lors qu'on aura réouvert le musée, revenez et vous vivrez en fait de moments inoubliables et ça nous changera. Lors de nos états généraux, nous avons eu à ressortir les fameux défis pour y trouver des solutions et que nous puissions améliorer
ce secteur des infrastructures muséales. Et justement, c'est toute une politique que nous sommes en train de mettre en place, okay, de pouvoir réapproprier aux Congolais son identité culturelle. Et il y a un plan stratégique qui ressort de ces assises, qui seront mises à la disposition de la nation congolaise, du secteur éducatif, pour pouvoir permettre à ce que tout ressortissant de cette nation puisse savoir que le musée est un endroit éducatif et pourrait prendre connaissance de ce qui est de son héritage culturel.